Bonjour, le tableau que vous voyez est le tableau Saint-Gervais et Protée amené devant Astasius, refusant de sacrifier à Jupiter. Ce tableau a été peint par Sieur Eustache vers 1652. Souvenez-vous de Notre-Dame de Paris. L'église de Saint-Gervais-Saint-Protée se situe dans le 4e arrondissement de Paris, place Saint-Gervais. Le début de la construction de cette église date de 1494. La fin des travaux s'est terminée au XVIIe siècle. L'église est classée au titre des monuments historiques depuis 1862. L'histoire de Saint-Gervais et Protée relève de la géographie, la légende dorée de Jacques de Voragine. Saint-Ambroise, l'un des quatre pères de l'Occident, retrouva leur sépulture en 386 après avoir eu une révélation divine. Gervais et Protée étaient deux frères jumeaux, fils de Saint Vital et Sainte Valérie, tous deux martyrs de la foi chrétienne. Gervais et Protée vendurent les biens de leurs parents et vécurent dans une modeste maison pendant 10 ans. Ils furent dénoncés ensuite au général romain Astasius. Les adorateurs des dieux païens exigèrent que Gervais et Protée sacrifient à leurs oracles. Gervais répondit « Comment pourrais-je sacrifier à des dieux qui ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, un nez et ne sentent pas, une bouche et ne parlent pas, des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent pas, et qui en plus n'ont aucun souffle de vie ? Il faut condamner à périr de la flagellation. » On amena ensuite Protée devant Astasius. Celui-ci l'injuria et lui dit que ses idoles étaient dégoûtantes. Il fut frappé à coups de bâton, puis relevé. Il dit à Astasius : Tu ne sais pas ce que tu fais et j'ai compassion de ta misère. Achève donc ce que tu as commencé afin que je rejoigne mon frère. On lui trancha la tête à coups d'épée.
Ils passent beaucoup par la fac de droit.